Salut à tous, et Kiwi, on se retrouve pour le 29e et dernier épisode de Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 5. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Il est temps de reprendre ce combat. Allez, let's go pour la troisième tentative. On discutera. Quand j'aurai désactivé le réacteur. Finn, regarde! Le réacteur va atteindre le niveau critique. On pourra bientôt plus l'arrêter. Non! Je m'enfuirai pas cette fois! Non, mais que t'es relou, quoi. Tu comprends rien, hein. C'était la seule personne que j'aurais voulu avoir de mon côté. Je suis de ton côté. On peut faire tomber Robson avec ce qu'on sait sur le nu fort. Ça marchera pas. Tout le monde s'affiche. Allez, hop, tu dégages. Ah ouais? Ok, pas de problème. Allez, viens par ici. Oh, faut que t'arrêtes avec ça là. Tu les as volés où tes tentacules là, Docteur Octopus ou quoi? Oh, un règlement de compte, parfait. Je m'attends à vous dire au cas où vous inquiéteriez. Il ne nous arrivera rien. En fait, toi, Harlem, pourrait me l'aider. Je parle même pas de l'éventualité d'une attaque féroce. Oubliez Robson. Bientôt, ce sera Robsonville. Allez, là, ah, tu prends cher, hein. Non. Ah, tu prends cher. Je peux l'arrêter. Pas comme ça. Je sais que tu t'en fais tomber le choc. Aide-moi à l'arrêter. Je sais que la pression de promesse arrive. Mais il n'aurait pas voulu ça. Alors arrête. Va-t'en. Ça va pas immobiliser longtemps. Tu veux la vérité? Eh ben, je vais te la dire. Vic, détache le reste. Je t'ai laissé plein d'occasions de partir. Ah, je crois que je l'ai frappé trop fort. J'ai plus le temps d'entendre la fin de la phrase, là. Ou du moins, je l'ai frappé trop vite. M'oblige pas à te tuer. Tu peux pas gagner. Pourquoi tu continues? Parce que je suis Spider-Man. Ça continue. On n'a pas débloqué une petite compétence là? Non, rien du tout. Alors attends. Tiens, ça c'est pour toi. La technologie ne fait pas de quoi. Oui, c'est ça, ouais. Regarde ce que je te mets là. On débarrasse pas de moi comme ça. Toi, les éviter. Ah, t'es. Comment tu bouges aussi rapidement? Bam. Tu veux que je te montre? Ah,
Ah, raté, je t'ai raté complet. Tiens. C'est pas terminé. Faut que je m'arrête. Je peux pas m'arrêter. Oh, ce combat épique, les petits amis. Non, oh, fous-moi la paix. C'est terminé, Mike. Ouais, je sais. Allez, calmons-nous un peu là. J'ai dit calme-toi un peu. J'en ai assez entendu. T'as jamais commencé. Oh, t'es sous l'entin. Oh, t'es sous l'entin. Tu m'arrêteras pas. Ah ouais, t'es grave sous l'entin. Oh, tu vas faire de la merde. Tu vas carrément faire de la merde. Tu vas faire péter tout, Harlem. C'est pas normal du tout. Je peux l'arrêter. Waouh, le je suis désolé là, il était super émouvant quoi. Enfin, je trouve. Allez, vas-y. Relève-toi, petit. Relève-toi. Continue, continue. Allez, t'y es, t'y es. Vas-y, bombe lui sa tête à ce truc là. Une vraie pile Duracell. Oh, la tenue quoi.
peur de s'éloigner. Je vais pas tenir très longtemps. Qu'est-ce que tu... Reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. Vous avez vu son visage. Bon travail, Spider-Man. Merci. De qui s'agit-il? Lui, là. C'est notre Spider-Man. Sacrifice ultime, trophée obtenu. C'est clairement des images truquées, c'est des deepfakes. Vous m'entendez? Je vous ruinerai. Ouais, ouais, où c'est que vous êtes? Vous m'entendez? Non, vous ne rêvez pas. Simon Krieger est derrière les barreaux. Aaron Davis, alias le rôdeur, s'est retourné contre lui et Roxxon. Davis ira en prison. Je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout ce qui est arrivé à Harlem. Ensemble, on est plus fort. Et avoir un Spider-Man rien qu'à nous dans le quartier, c'est pas mal. T'as l'air en forme, Ailey. This is where we come from, yeah we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah we made it. Now the whole team celebrating. We like oh oh oh. You knew a new day is approaching, turn the gray skies into blue. I grew up on these same blocks, full of hard knocks, had to get in on a hard time, took the hard shots, but we made it. Anticipated, highly decorated, the home team is winning, celebrated. The victory is all mine, and everything is alright, alright. J'arrive pas à me faire à ce costume. Il est trop cool. Faut que je m'affirme. Ouais, c'est vrai. Pete, est-ce que ça devient plus facile? Ouais, en partie. Mais il y a des choses qui restent difficiles.
Roxanne a fait ça ici parce que pour eux, on voit rien. Moi, Rick, Finn, tout Harlem. Notre boulot, c'est tout faire pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça. On va rajouter ça au Spider Serment. On y va ? On y va. Spider-Man Miles Morales, félicitations, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais rejouer des missions déjà accomplies avec rejouer à partir du menu pause ou refaire des activités ASDQ avec l'appli ASDQ. Vous pouvez également modifier l'heure de la journée à partir du menu des options. Vous pouvez recommencer en difficulté ultime, ce que je vais faire de mon côté. Pour plus de challenges ou commencer une nouvelle partie plus en gardant vos gadgets et vos compétences pour en débloquer encore plus, c'est cool. C'est cool. XP gagné. Un point de compétence. Juste un ? C'est tout ? Oh, c'est pas bon ça, dis donc. Alors qu'il me restait encore... Ah ben non, c'est bon. J'ai deux points de compétence à distribuer. Du coup, c'est good. Lueur aveuglante fait à présent partie des techniques. Et ça, cocon explosif. Ok. Fait à présent partie des techniques. Et bien évidemment, je peux maintenant prendre celle-là ou pas? Finissez la campagne et terminez la mission L'Idole des Chats. Ah, et c'est vrai qu'on a des quêtes secondaires. Alors, L'Idole des Chats, c'est tout au nord. On va se taper dessus, comme ça. Allez, let's go. Restez bien jusqu'à la fin, les petits amis. T'es occupé? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de quitter Trinity Church. Je pensais à Finn et je me disais... Vas-y, je t'écoute. Elle m'a sauvé la vie. Et la tienne aussi. Et celle de tout le monde. Mais c'est à cause d'elle qu'on a tous été mis en danger. Sauf que... Vu ce qui est arrivé à Rick... Je la comprends un peu. Tout le monde fait des erreurs. Regarde ton oncle Aaron. C'est grâce à lui que Krieger moisit en prison. Et il nous a aidés à évacuer les habitants d'Harlem. Mais chaque fois que je le vois, je repense à toute la peine qu'il a infligée à ton père. Ouais. Rien ne t'oblige à avoir une idée arrêtée sur la vie de Finn, Miro. Ou sur sa mort. Souviens-toi juste de qui elle était vraiment, et pourquoi tu l'appréciais. Tu sais toujours trouver les mots justes. C'est mon boulot de maman. N'hésite pas à me rappeler. Entiende? Si. Te quiero. Donc je vous disais, restez bien jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à la fin de la vidéo, pour au moins y voir la scène post-crédit et les génériques juste après, car je les ai inversés grâce à la magie du montage. Comme ça, ceux qui ne veulent pas m'entendre faire mon texte de fin dans le générique, vous pouvez zapper. Super nouvelle, les labos expérimentaux de Roxxon à Manhattan sont HS, et leurs réacteurs aussi. Enfin. Plus de labo, plus de Krieger. Cette fois, Roxxon a pris une méchante claque. À mon avis, on les reverra pas de sitôt. Tant mieux. Parce que je veux plus drainer un seul réacteur. Je te comprends, mon pote. Mais je suis content qu'on ait pu faire ça ensemble. Moi aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures. Dans à peu près 5 minutes, c'est ça? Ça marche. Thank you.
faut vraiment que je dorme. Pas tout de suite, là, si. Bon, bah, ok. Une petite... une sieste. La part de maman. C'est un indice pour une chasse au trésor. Papa m'en faisait faire. Elle en a créé une nouvelle. Joyeux anniversaire, Miles, prêt pour la meilleure chasse au trésor de l'univers. Voilà le premier indice. En face du parc, le poids du monde sur nos épaules. Nous gardons le prochain indice. Ok. Ok, ok. Faut que j'aille voir ça. Qu'est-ce que maman a inventé? Ah, mais elle s'affiche sur la carte. Je devrais sortir faire un petit tour au muséum d'histoire naturelle. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Carte postale 1 sur 8. C'est ça qu'il faut terminer. Cette chasse au trésor va pas se faire toute seule. Non, je confirme. Conseillère municipale Rio Morales. Ça claque. Y a rien dans le frigo? Y a rien pour moi là? J'ai plus rien à faire dans l'appartement. Maman ne m'a rien préparé, c'est triste. Éternité que je suis pas allé au muséum. La dernière fois, ça devait être avec Finn et papa. On adorait faire ça. Et ça fait bizarre d'y repenser. Ah yes, ça c'est cool, je serais... enfin non, il serait trop content. Enfin bon, je vais lui dire. Hein, t'es un chic type, Spider-Man, hein. Eh, à bientôt. Il est génial, Théo. J'adore ce mec. Y'a un truc là en bas. L'ancien Spidey est de retour, vous allez faire équipe? Parce que c'est... Salut, content de te voir. J'ai raconté à tout le monde comment t'as sauvé Spider-Man. Prêt pour une virée, Spider-Chat? Vous faites une belle équipe. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est arrêté les criminels. Oh, c'est délire. Miles, j'ai une nouvelle après. Ouh. Il s'en est passé des trucs pendant mon absence. Jamais de repos pour les Spider-Man? Ah non. À ce propos, maintenant que je suis revenu, je vais pas passer mon temps à me balancer derrière toi et à surveiller. Je te fais confiance. Et en plus, j'ai des affaires à régler. Comme quoi? Je peux t'aider? Je dois trouver du boulot. C'était cool d'être freelance pour le Bugle, mais il faut quelque chose de plus tard. T'as pensé à faire prof? Je pense que tu serais bien. Ouais, non. Non, j'avais pas pensé à ça. Peut-être. Je vais y réfléchir, on se rappelle. Ok. Crime en cours, mais je pense que je les ai déjà tous faits. Au niveau des gadgets, j'avais dit que j'achèterais le dernier. Je ne peux toujours pas acheter. C'est génial. C'est génial. Du coup, il me reste encore une quête secondaire à effectuer. C'est les cartes postales. Les cartes postales. Donc il y en a une là. On s'y rend tout de suite. Ah bah oui, ça va. C'est ça qui va me débloquer les derniers jetons. Ah, pas mal ça. Ok, je pense que c'est au niveau de la statue. Celle-là, elle monte l'Empire State Building. Au sommet de l'Empire State, tu trouveras une paire d'yeux aveugles. Oh, trop bien.
aussi une clé USB. Salut mon grand. Bon anniversaire. Oh mon Dieu. Papa. Une chasse au trésor. C'est pas mal pour souffler tes 16 bougies. Une virée nostalgique. Tu te rappelles cet été où Finn et toi, vous m'avez forcé à vous emmener au musée tous les week-ends? Un petit secret. J'adorais ça. À une époque, je me sentais coupable que t'aies pas de frères et sœurs. Ton oncle et moi, on est fâchés maintenant. Mais sans lui, je n'aurais jamais fêté mes 18 ans. À chaque fois que je te voyais avec Finn, je me sentais moins coupable. Parce que t'as une sœur. Avec Finn et Gangi aujourd'hui, tu auras toujours une famille sur qui compter. Je t'aime fort, mon grand. Rendez-vous au prochain indice. Oh, c'est trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu sa voix. J'espère qu'il a laissé d'autres messages pour la chasse au trésor. Allô, la marmotte. Tu as trouvé ma note? Ouais. J'ai suivi l'indice et j'ai entendu la voix de papa. C'est toi qui as fait ça? Juste la mise en place. Ton père a écrit les indices l'an passé. Je sais que tu en baves depuis le déménagement et j'ai pensé que ça t'aiderait de l'entendre. Ça m'aide. Gracias, ma. De nada. Amusez-vous bien. Et n'oublie pas, je suis là si tu as besoin de moi, Miles. Tu sais que tu peux tout me dire. Te quiero. Te quiero. J'adore ta tenue. Salut à tous. Ça a été une excellente semaine pour Harlem. Superman a arrêté Tinkerer, Rio Morales a été élu au conseil municipal, Roxanne Plaza est fermé pour de bon, et Simon Krieger est derrière les barreaux. Boum! Cerise sur le gâteau, j'ai passé mon test de citoyenneté haut la main! Shin, je t'aime toujours, tes bonbons vont manquer. Mais revenons à nos moutons. Pour faire bonne figure, la direction de Roxanne a divulgué les documents personnels de Krieger, notes, emails, la totale. Pendant que j'épluche ces documents et que j'attends que Triple J présente ses excuses à l'antenne, je diffuserai des émissions préenregistrées inédites. On se retrouve en direct dans quelques semaines et en attendant, parlez à vos plantes quand vous les arrosez. Sérieux, elles adorent ça. Allez, à plus. Et nous y sommes. Le musée d'art moderne de Greenwich. Je me souviens de cet endroit. Trouve le fossile caché dans le monde moderne. N'oublie pas de lever le nez. Le voyage scolaire de CM2 à l'Empire State Building. J'étais accompagnateur. N'accepte jamais de surveiller un bus rempli de gamins de 10 ans, fiston. On a mis 3 heures à se rendre sur place et quand on est arrivé, qui en a vu? L'araignée en personne. Il se battait contre Vulture. À peine sorti de l'ascenseur, on a dû rebrousser chemin et évacuer. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tu voulais rester. Tu m'as dit, Spider-Man a besoin de nous, papa. Tu as toujours eu l'âme d'un héros, Miles. Ne perds jamais ta combativité. Rendez-vous au prochain indice. L'âme d'un héros. Je crois que j'ai appris à être un héros en observant papa. Il me manque. Surtout maintenant. Et c'est trouvé. On dirait bien que je dois aller à CODB. Là où l'argent est roi, perché dans les lumières, laisse la musique t'entraîner. On a pratiquement dû vous traîner au musée d'art moderne, Finn et toi, la première fois. Vous ne compreniez pas l'intérêt d'aller voir des taches de peinture. Mais ta mère et moi, on savait qu'on devait vous montrer d'autres façons de voir le monde. Parfois, radicalement différentes. Quand je vous ai vu lever de grands yeux émerveillés vers ce portrait psychédélique d'Angela Davis, j'ai su que vous aviez compris. Tout ce orange et ce doré. Vous n'aviez pas idée que le monde pouvait ressembler à ça, que vous pouviez ressembler à ça, à des rois. Ça me rend fier que tu sois arrivé jusque-là. Voyons comment tu te débrouilles avec le prochain indice. Avec Finn, on en a parlé pendant 10 mois après. Papa et maman savaient rendre les choses inspirantes. Chers auditeurs, vous savez que je me pose en défenseur de la vérité, de l'intégrité et des faits. Je n'ai pas été tendre avec le nouveau Spider-Man depuis la catastrophe du pont Braithwaite. Et pour cause, ce mioche a fait tellement de bourdes que le Spider-Man original en serait devenu plus rouge que son costume. Le classique, hein, pas ce torchon qu'il porte en ce moment. Mais aujourd'hui, je dois bien reconnaître que toute la ville soutient ce gamin.
et l'a érigé au rang de véritable héros. Alors qu'une source d'énergie instable s'apprêtait à rayer Harlem de la carte, le jeune Spider-Man se serait interposé et aurait sauvé des vies. Du moins, c'est ce que ses fans voudraient nous faire croire. La vérité, c'est que rien de tout ça ne serait arrivé s'il n'avait pas enfilé son costume ridicule pour aller faire le singe à travers toute la ville et commettre crime sur crime, lui, un héros. Ah, 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 un héros, oui. Ah, allez, Jared, ouvrez les lignes. Je veux entendre ceux qui sont d'accord avec moi. Jared, je vous ai dit d'ouvrir les lignes. Elles sont déjà ouvertes. Ah ben, il y a un problème alors. Désolé, chers auditeurs, nous avons un souci technique. Et voilà. Et c'est trouvé. Chez Bill le Homard, le restaurant préféré de papa. Bien blotti sous Stuyvesant, se cache un mets monstrueux. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse au CODB avec ton oncle. Tous nos musiciens préférés ont joué sur cette scène minuscule. Aaron est même monté dessus une fois, et il s'en est pas trop mal sorti. Quand il a enfin décidé de me parler de son boulot de nuit, c'est ici qu'il m'a emmené, pour mieux faire passer la télé. Mais après ça, je ne voyais plus l'endroit de la même façon. C'est pour ça que je t'ai jamais emmené. Je regrette. Je suis sûr que tu aurais adoré ce projet. Alors, voilà ce que je te propose. Trouve un concert qui te botte. Ce que tu veux, c'est moi qui l'offre. On viendra ensemble et ton paternel te montrera comment enflammer les dance floors. Le prochain indice te tend les bras, Max. Papa voulait m'emmener voir un concert. Waouh. Je crois que je vais avoir besoin d'une minute pour m'en remettre. Combien pour un autographe? Ouais, c'est triste. Et c'est déjà trouvé. Oh, voilà l'indice. Je connais cet endroit. L'immeuble Art Space dans l'Upper East Side. Aucune lettre ne peut entrer dans ce château artistique sans s'arrêter à ses portes. Oh, chez Bill Omar. Oh, ce resto, c'est ma deuxième maison. Ça me rappelle la cuisine de ta grand-mère du Sud. C'est là que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous et c'est devenu une tradition. Même quand elle était enceinte de toi. Elle a commencé à avoir des contractions au moment du dessert. Je pense que c'est à cause des crevettes cajun. Elle était moins fan après ça. Mais je vais pas te mentir, Fiston. Certaines nuits où je fume tard, eh oui, je m'arrête pour prendre une petite assiette de gombo. Maman était au courant qu'il fréquentait cet endroit. Ce sera son petit secret. Il faisait une bonne équipe. Lundi suivant. Super! Et c'est trouvé. CJ Walker Park. Je connais cet endroit, c'est à Harlem. Sous le panier où tu as appris à voler, ton périple prendra fin. Oh, j'ai pas hâte que ça se termine. La remise des diplômes du collège. Vous avez rigolé, Finn et toi, en voyant l'immeuble Art Space en disant que ça ressemblait à un couronnement. On était tellement fiers, ta mère et moi. Notre fils et celle qu'on considérait comme notre fille allaient recevoir leur diplôme et c'était les meilleurs de leur classe. Je sais que vous étiez triste d'aller dans des écoles différentes, mais laisse-moi te dire une chose, Max. Les amitiés de jeunesse, les vraies, elles durent. Vous vous reverrez, Finn et toi, dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Il ne reste plus qu'un indice. Je parie que tu as hâte d'arriver au bout. On a repris contact, Finn et moi. Mais pas de la manière que papa aurait imaginé. Allez, une dernière carte postale. Salut, petit quartier sympa, c'est moi ton Spider-Man. C'est là, CJ Walker Park. Sous le panier où tu as appris à voler, ton périple prendra fin. Ah ouais, et genre personne ne l'a jamais prise quoi. Je crois que c'est la dernière. Waouh, ça fait remonter tellement de souvenirs. Et voilà la dernière étape. CJ Walker Park. Tu te rappelles quand on venait jouer ici pendant l'été? Ton oncle t'a montré comment te frayer un chemin jusqu'au panier et moi je t'ai appris à dribbler croisé comme un chef. Et comment oublier le jour où Finn et toi avaient essayé de placer un dunk contre ta mère? Cet endroit me rappelle
Et quoi qu'il arrive dans la vie, la seule chose qui compte, c'est les gens que tu aimes. Toi, ta mère, Finn, Ganki, même ton oncle. Garde tes proches autour de toi et tout se passera bien. Joyeux anniversaire, mon grand. C'est de toi que vient tout mon courage. J'étais pas prêt à entendre ça. Joyeux anniversaire, Miles. Félicitations. Tu es allé jusqu'au bout. C'est de toi que je tiens mon courage. Je t'aime, papa. Trophée obtenu. Coucou, Miles. Ça va? Ouais, maman. Je viens juste de finir la chasse au trésor. Merci beaucoup d'avoir mis tout ça en place. Pendant un moment, j'ai eu l'impression qu'il était revenu. Il ne nous a jamais quittés, Miro. Je t'aime. Je t'aime, maman. Ouais. Enfin, les petits amis. Je pense qu'on a... Je le connais, ce type. Ou pas. Je pense qu'on a définitivement terminé. On est à 100% progression globale. On va terminer d'acheter également les derniers modes, pardon. Allez, ça se prend. Je ne remplace pas. Il nous en reste encore... on pourra pas tout prendre. Et après quelques crimes d'accomplis, on va pouvoir acheter le dernier. Et hop, la petite parenthèse dans le futur lors de ma partie New Game Plus pour vous montrer le costume qui n'est débloquable que dans la partie New Game Plus. Voilà, voilà. Miles, j'ai réussi! J'ai trouvé comment faire! Comment fissionner un atome sans bouger de chez toi? Je m'occupe de tout ça au plus vite! Mais non, Speed Nonagon! J'ai mis à jour le modèle de collision, corrigé la physique des projectiles et stabilisé la cadence d'affichage! Ça déchire! Ça veut dire que je peux y jouer? Mais il manque encore les textures, les effets spéciaux, la musique et les voix. Je peux m'occuper de la musique et peut-être même des effets sonores. D'abord, on améliore notre speeder costume. Et maintenant, on monte un empire du jeu mobile. Mais plus rien ne nous arrête. J'en ai jamais douté. Je finis quelques trucs pour le boulot, mais dès que je rentre, je prépare un tableau de suivi et je fais la liste des effets sonores dont t'auras besoin. Ah, je planche aussi sur une BO. Yeah! Tu l'as senti, celui-là? C'est moi qui te fais un check à distance. A plus, mon pote. Yo, j'ai lu l'article de MJ sur la Simcarie. Pas en te balançant, j'espère. Désolé, j'étais en mode professeur grincheux. Je me détends. Qu'est-ce que t'as pensé de l'article? L'article était super. Par contre, les photos... Ils l'ont déniché où, ce Peter Parker? MJ doit se demander la même chose. Parle-moi de ton séjour. Est-ce que t'as dû ressortir ton costume là-bas? Non. Sable et son Wildpack ont fait du super boulot. Je me suis contenté d'observer et de prendre des photos. Sympa, les vacances. Même si ça restait un déplacement professionnel. Ouais, je suis en pleine forme et prêt à renfiler mon costume de Spidey. Et aussi à nettoyer les gouttières de ma maison. C'est passionnant d'être proprio. Tu verras un jour. Ça fait envie. Je te laisse alors. À bientôt. Un message vocal. Un numéro masqué. Hey Miles. Je sais que tu vas entendre plein de choses sur moi et sur ce que j'ai pu faire. Maintenant que je suis incarcéré. J'ai obtenu un deal, donc je devrais à nouveau être libre dans 2 ans. Mais si j'ai balancé Krieger, c'est pas juste pour réduire ma peine. Tu m'as dit vouloir être quelqu'un de meilleur, notamment en prenant soin des autres, même à tes dépens. Tout ça est encore tout nouveau pour moi, mais je fais des efforts. Merci, petit. Merci de me permettre d'être un homme meilleur que celui que j'aurais jamais pu être. Prends bien soin de toi, surtout. Tu vas me manquer. Et sur ces dernières paroles, les petits amis, on va se retrouver pour la scène post-crédit suivie de mon petit message de fin dans le générique. Allez, à tout de suite.
les habitants de Harlem ressentent encore les effets du soulèvement provoqué par un groupe s'appelant l'Underground. Parallèlement aux nombreux démêlés judiciaires de la corporation Roxxon, la nouvelle conseillère municipale Rio Morales s'est adressée hier dans les médias pour réclamer des subventions supplémentaires afin d'aider au bon fonctionnement. Signes vitaux stables, système circulatoire fonctionnel, activité cérébrale normale. Il serait temps de le faire sortir. Monsieur Osborne, c'est votre fils, je comprends, mais sa maladie pourrait le... Mais nous sous-estimons peut-être le danger potentiel. J'ai dit ! Libérez-le ! Maintenant ! C'est vraiment trop stylé. On vient de terminer le spin-off du premier jeu, les petits amis, et cette petite ambiance de New York sous la neige m'a bien fait plaisir. Je suis maintenant impatient de retrouver nos deux héros côte à côte dans le prochain jeu. Je vais de mon côté reparcourir Miles Morales dans sa difficulté max pour refaire un nouveau 100% et pouvoir débloquer la dernière tenue ainsi que les derniers gadgets et dernières compétences, histoire de garder une sauvegarde bien complète de ce superbe jeu. Je remercie tous ceux qui ont regardé les vidéos, qui ont liké et laissé des petits commentaires. Ça m'a fait super plaisir, vraiment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui m'ont rejoint pendant ce Let's Play. Toujours une méga dédicace aux frérots comme Getsum qui possède également une chaîne de Let's Play. Il parcourt ses jeux avec passion et ça fait vraiment plaisir à regarder. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez son contenu. Le lien est dans la description. On va très prochainement se retrouver sur Marvel Spider-Man 2. Pour un nouveau 100% afin de terminer ce marathon Spider-Man. Pour l'instant, il s'agit du dernier jeu de la franchise, mais je ne doute pas qu'il y en ait d'autres dans les années à venir. Donc continuez de m'envoyer de la force, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au pavé du Kiwi, dans l'onglet communauté, que je mets à jour régulièrement. Vous aurez plein de renseignements sur les prochains jeux à venir, sur la chaîne, mes objectifs, sur les autres séries, etc. On se retrouve très rapidement, je vous laisse avec le générique. Salut à tous, et bye. Drip when I flip off the building, yeah.